Bonjour à tous, YouTube. Et oui, on est en direct sur Twitch et on va continuer le let's play de Lego Star Wars, la saga Skywalker, avec cette fois-ci la menace fantôme. On commence la trilogie, la prélogie du coup. Ah voilà, et ça va cartonner là. Avertissement épilepsie, me mettre un énorme bug graphique juste avant. C'est quoi ça? Ah oui, c'est jeu libre. Let's go! Ah oui, ah oui, le A-Wing RZ2 de Talilintra, mon vaisseau préféré. Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Star Wars! Épisode 1. La menace fantôme. La République galactique est en pleine ébullition. La taxation des routes commerciales reliant les systèmes éloignés provoque la discorde, comme le logiciel. Pour régler la question, la cupide fédération du commerce et ses redoutables vaisseaux de guerre imposent un blocus à la petite planète Naboo. Face à ce dangereux engrenage, alors que le congrès de la République s'enlise dans des débats sans fin, le chancelier suprême charge en secret deux chevaliers Jedi, gardiens de la paix et de la justice dans la galaxie, de résoudre le conflit. Deux chevaliers Jedi, OMG. La menace fantôme, sous-côté, film le plus sous-côté, tout le monde dit c'est pas bien, c'est trop bien en fait, c'est littéralement des meilleurs. Zou. Les ambassadeurs du chancelier suprême demandent l'autorisation de monter à bord. Je suis encore dans le cadre. Oh, oh, comment j'éteins ça? Oui, bien sûr. Comme vous le savez, notre blocus est parfaitement légal. J'ai comme un mauvais pressentiment. Oh! Oh! Oh, ça! Oh! Oh! On contrôle le... C'est un Tantive 1 d'ailleurs, je crois. Donc il y a l'ancêtre du Tantive 4 qu'on voit dans le... l'épisode 4. Dommage, par contre, bon, la voix de Qui-Gon, c'est pas ce que j'aurais pris comme, comme doublage. J'espère qu'il y aura des extraits de sa vraie voix parce que je trouve que la VF est incroyable de Qui-Gon. Allez. Espace Naboo, vaisseau de la Fédération du Commerce. Donc c'est un open world aussi. Le vaisseau est un open world. C'est trop bien. Trop bien. Bienvenue, ambassadeur. Oh là là, mais c'est Bobby. Oui, TC14. C'est vrai. Par ici, s'il vous plaît. Oui. Comment il va, le Bobby? Toi... Toi, t'es complice, toi. Comment... Pourquoi j'arrive pas à sprinter? Range ton sabre! J'ai toujours un mauvais pressentiment, vous savez. Oublie tes inquiétudes, Obi-Wan. Reste concentré sur ce qui se passe ici et maintenant. Elle me fait un peu rire, ça. Il faut être attentif au futur, mais pas aux dépens du présent. Ton esprit doit rester attentif à la force, jeune Padawan. Oui, maître. Alors, autant la VF d'Obi-Wan, elle est très proche de l'original. Je me demande même si c'est peut-être pas la vraie. Par ici, ambassadeur. Qui-Gon, elle est pas assez grave. Bizarre, ça. Voilà. Du dioxyde. Zoom. Bon là j'ai le temps de tout casser hein, vu comment TC14 avance. Let's go quoi. Ah tu m'attends, dès que je casse des trucs t'es en mode Kefa quoi. Connard. Tad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 
Qui-Gon, un des meilleurs Jedi sous-côté. Installez-vous confortablement. Mon maître ne va pas tarder. Pensez-vous que leur vice-roi cédera aux injonctions du chancelier? Ces gens de la Fédération sont des lâches. Les négociations seront brèves. Ces gens de la Fédération sont des lâches. Non, si j'arrive pas, il a une voix. Je sais pas qui fait la voix de Qui-Gon dans les films, mais. Je sais pas, il a une manière de parler qui est trop stylée, je trouve. Il faut tout réparer, c'est ça? Ah oui, il faut tout réparer. C'est notre manière d'attendre. On fait le ménage, quoi. Merci Bobby pour ton resub. Mon Jedi préféré. Mon Jedi préféré. C'est Mace Windu. Même s'il est pas parfait. Mais il est trop fort. Avec son sabre violet. Ah dommage, ils ont pas fait la petite cinématique. Ah d'accord, j'ai re un tuto quand je relance une trilogie. Non, c'était pas la peine, les gars. Le sauveur de Grogu, Mace Windu. Louche ton histoire, Alex. Il est pas parfait, non, il est pas parfait. Il a un petit peu de noirceur en lui. Il est toujours en colère, quoi. Mace Windu qui passe par la Windows. Exactement. Attendez, oh non, il y a 15 000 chemins où je rêve. Bon, on cassera tout en joliment. Dit-il avant de tout casser. Mais putain, mais oh, mais le vaisseau il a l'air gigantesque. J'ai envie de tout explorer, putain. Oh, ça va sévèrement faire du jeu libre hors stream d'ici peu parce que j'en peux plus. J'ai un besoin physique de jouer à ce jeu, sinon il y a un manque qui se crée, quoi. Maître des destroyers. Oui, je vais insérer mon sabre. D'ailleurs. Ah oui, d'accord, ok. D'ailleurs. Pendant le mois de mai, donc le mois de stream Star Wars, je ferai sûrement l'épisode 1 sur PS1 aussi. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Il y a un chemin à suivre. Mais. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Je dois vraiment faire tout le. Qu'est-ce que je dois faire là? Kiesako. Ah oui, voilà, ouais, c'est tout. D'accord. Là-bas, une armée d'invasion. Il faut aller sur la planète et alerter les Naboo. Glissons-nous dans l'un de ces vaisseaux. Oh, c'était rapide. Dommage. Attention, point négatif sur cette mission. Ça manquait de cinématique. Ah, message. Oui, ça, Jar Jar Binks. Incroyable, putain. Missa Jar Jar Binks. Missa Tissa serviteur. Partons avant que d'autres droïdes n'arrivent. Oh non. Jar Jar, nous devons trouver un lieu sûr et alerter les Naboo de cette invasion. Excusez, Missa. Mais le plus sûr endroit est Otokonga. Ça est une ville cachée. Ça, c'est la vraie voie. Tu peux nous y emmener. Ah ah, par ici, fais ça. C'est la vraie voie de Jar Jar pour le coup. Oh Jar Jar. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh. Bono, Missa, avertir-vous, Gungan aime pas Gungan. Les Gungan sont racistes. Ne t'inquiète pas pour nous, ce n'est pas notre jour de toute manière. Allez là, qu'est-ce que tu fais?
Tu veux que je coupe ça? Non? Allez, saute dans l'eau, mec. Ok. Bizarre. Cette tête. Enfin, Migo sur la série Obi-Wan, genre on parie sur les persos fanservice qui vont pop. Si on a tout juste bingo, on gagne. On peut faire ça, effectivement. C'est vrai que, ouais. En tout cas, on peut essayer de préparer ça. Trop bien. Let's go! Non. Salut à vous, Sar, capitaine Tarpals. Misa revenu. Kenenien, Sarzar. Viens, Sébastien. Tissa, Tamborkarka. Tu aurais peut-être quelque chose à nous dire, Jar Jar. Misa, honte. Mais Misa, banni. Misa, oublié. Pourtant, il semblerait que ce soit utile de se rappeler pourquoi. Comme je l'ai dit, idiot, tu veux bien nous dire pourquoi notre ami a été banni? Jar Jar, grand balourd. Boum le gazeur, zibouiller limousine du boss. Misa a dit. Ça a été accident. Oui, Jar Jar a accidentellement lâché le volant pour attraper Doriform Miam Miam. Comment j'entre? Ah. Putain, par contre, je trouve ça... Ah mais non, je suis con. Ah bah oui. C'est vrai que j'ai pas besoin de maintenir pour lever de force. Oula, oula, on se calme. Ah. Ah, je me souviens, sur PS1, c'était un niveau horrible, ça. Une armée droïde est sur le point d'attaquer les Naboo. Où ça? Précipite les Naboo. Nous devons les avertir. Nous ça donne vous ça un bon go. Chemin direct pour Naboo. Oh. Passe par noyau planète. Qu'allez-vous faire de Jar Jar Binks? Partez avec lui. Ok, let's go. Je parie qu'il y aura Obi-Wan. Ça m'étonnerait qu'il y ait Obi-Wan dans la série Obi-Wan, mec. Ça n'aurait aucun sens. Attendez, attendez, attendez. On peut rentrer là-dedans. Peut-être que... dans une autre vie. Maître, qu'est-ce qu'un bongo? Un véhicule, j'espère. Ça est sous-marin. Nous ça, trouver un dans la méga-bulle. Où ça? Suivez Misa. Après Bobby, bon... Ça aurait été bien qu'il y ait Boba Fett, justement dans la série Boba Fett, quoi. Ça aurait peut-être bien qu'il soit bien le personnage de sa propre série, quoi. N'aie crainte, ce n'est pas lui. Ah. Imagine, ça aurait été trop bien, mec. Boba Fett. Non, Boba Fett. Non, je confonds les touches, je confonds les touches, merde. Mais à la place, on a le book. On n'a pas Boba Fett, on a son livre. Ah, est-ce qu'il... Ah, non. Dommage. Les Tusken, c'est vraiment le... Pas d'amalgame.
quand j'étais un petit garçon, ça me faisait peur. Il me faisait peur, les gros monstres. Trop poisson loup, trop grande dent. Ne t'inquiète pas, la force nous guidera. C'est comme si... Oh, quoi? Oui. C'est comme dans Breaking Bad. Sans Breaking Bad, la série va pas être la même pareille dans The Walking Dead quand Walking Dead se réveille à l'hôpital. Ok, ok, putain, c'est un QTE, bordel, je dois rester concentré. Il faut que cette créature se pousse. Tire-lui dessus, Obi-Wan. Oh. Le problème, c'est que je connais pas les noms des touches là. R, ZR, LR là. L. Ok. Ok! Propre. R. Ah, mais non, il fallait en faire deux! Oh là là! Ah, mais on peut tirer, je suis con! Ah, mais non, mais d'accord! Oh non, bon, la bruit. Là-bas! Il y avait un mini-kit! Ils sont pas si méchants. Bon, ils ont fumé la daronne d'Anakin, mais ça va. Bon, après, il y a Pierre, hein. Il y a Watto. Watto, je viens chercher ma mère. Ah, ta mère! Je l'ai vendu. Désolé. Là, je veux récupérer. Non! Il y en aura toujours un plus gros. Oui. On perd de la puissance. Reste calme, nous ne sommes pas encore en danger. Vous êtes un con. Quand est le danger pour vous, ça? Le petit Annie! Il vient du Tamer! Ah mec, connais pas! Marche avant, toute! Missa dit que noyau planète, car au bobo! Ton optimisme constant est vraiment encourageant, Jar-Jar. Bonjour, je viens voir ma mère, il paraît qu'on vous l'a vendue. Oui, ouais, elle a été enlevée. Vous êtes pas allé la chercher? Waouh, je suis esclave. Hein, je l'ai acheté pas très cher, donc ça va. Toujours les Tusken. Oh, ils sont pas méchants. Hein. Ils ont juste pas des conditions de vie faciles. C'est pour ça que parfois ils sont un peu énervés. Magnifique. Notre ami a encore faim. Non, attends. Joli. Nous devons trouver la reine. Victoire. Saleté des chaises. Oh, cet accent. Tiens, Luffy joue à Lego Star Wars. Bizarre. Shmi X Watto. Oh mon dieu, non. Ton papa, c'est moi. Faut que tu le dises. Oh, bon, on a débloqué Jar Jar. C'est bien ça. Le jeu libre, faut le finir. Ah bah oui, je suis d'accord. Mais... Crois-moi que dès que j'ai fini la campagne, que ce soit en stream ou hors stream, ça va y jouer H24. Hein. Oula, les reflets. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec l'ombre? Zion! Sauver la reine Amadala de la Fédération du Commerce. Oh non, ça! Les mécaniques sont la reine!
Oh non, les mécaniques. C'est vrai que c'est la map de Battlefront 2 ici. Quel personnage, mec ? Rey Skywalker ? Ton perso préf, je ne connais pas. Connais pas, mec. C'est dans quel film ? Dans le grand hangar, par ici. C'est dans une série, peut-être ? Parce que je n'ai jamais vu de Rey Skywalker dans aucun des 6 films existants. Très loin. Restez tout près. C'est dangereux pour la reine ici. Nous devons partir immédiatement pour Coruscant, au sein de la République. D'autres droïdes ? Ne les laissez pas échapper ! Skywalker X-Ben Solo. Ah. Lol, putain. Imagine. Qu'est-ce que... Eh, quoi il se bat celui-là ? Rey Snoke, peau plus fine. Oh oui. Ils sont trop kawaii ensemble. Que de belles morales dans la dernière trilogie. Car comme dirait Rose, quand elle sauve Finn, ce n'est pas en... C'est en aidant les autres, c'est en aidant ceux qu'on aime qu'on gagne une guerre. Parce que c'est bien connu, hein, c'est en aidant ceux qu'on aime qu'on gagne la guerre. Anakin X Dark Vador. Ça c'est canon, je crois. Ils sont en couple. Oula, je suis en vue FPS. Zon. Ah, il s'est baissé. Ok, bah, bah. Allez. C'est moi que tu salues comme ça ? Tiens, voilà. Oula. Oui. Rose, je la poignarde avec la dague cite. Ah, ce personnage. Personnage préféré. Arrêtez-vous là. La reine vient avec nous. Là, normalement, dans le film, il dit on va sur Coruscant. Puis le droïde, il fait Coruscant. Attendez, je vous arrête. Et là, ils démontent tous les droïdes et c'est trop bien. Elle est trop bien. Je connais par cœur ce putain de film. Ah, bonne question. Faudrait demander à Bobby parce que j'ai pas fait le jeu libre encore, donc je sais pas du tout. Vaisseau de son Altesse Royale. Prêt à partir. Let's go. Rick Ollier. Alors, est-ce que Palpatine, ils vont l'appeler Shiv Palpatine, du coup ? Non, on peut pas. Bon, je vais te dire, il y a 422 personnages, quoi, donc... on va pas en faire tout un... tout un flan. Là, maître, Tatooine. Une petite planète, isolée. Pauvre. La Fédération du Commerce en est absente. Chibre Palpatine, exactement. Tatooine, tu dis. Tu as des suggestions pour le meilleur endroit où se poser. Le spatioport de Mos Espa est notre meilleure chance de trouver les pièces dont nous avons besoin. D'accord pour Mos Espa. Mais atterris à l'extérieur. Restons discrets. J'ai tellement tous les dialogues dans les films qui me viennent en tête là, c'est dingue. Prendre Jabba le Hutt, mais aussi Mama le Hutt, la Hutt et ça c'est un... Oh mais c'est trop bien.
Putain! Let's go! Enfin, enfin, on peut jouer les huts. Enfin! Tatooine, Moses Pa. Attendez. La reine ordonne que je vous accompagne. Elle a de la curiosité pour cette planète. Qui ça? Où ça? Je suis Padmé, une des suivantes de la reine. C'est la vraie voix. C'est une mauvaise idée. Mais si c'est ce que la reine souhaite. C'est la vraie voix. Nous trouvons un mécanicien qui vend les pièces dont nous avons besoin. C'est la vraie voix soit du film, soit du jeu sur PS1, mais en tout cas c'est une vraie VF, c'est pas une nouvelle VF quoi. Le rancor aussi, et le bloc de carbonite avec Anne, mais gros, mais c'est de la pure dinguerie. Quoi? Je sais ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'un petit chapeau à hélice pour ton petit astromécano crasseux. Oui. Il aura un peu plus confiance en lui. Oui. Non mais c'est vrai, hein, sans blague. Oui. Oui, 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 c'est vrai. Ça tirait trop bien, un petit chapeau à Alice, mec. Bon, je reviendrai en jeu libre pour t'acheter ce chapeau à Alice. Hein. Putain, mais... Oui, il faut parler à tout le monde. Ah, j'y connais rien en réparation de vaisseau. Va plutôt dans la rue, là-bas, pour voir une course de modules. C'est bien plus passionnant que réparer des hyperdrives. C'est aussi sur PS1, je trouve qu'il était incroyable le niveau dans Moses Pa. C'était un, limite presque un truc en mode RPG un peu. Je m'en doutais, c'est pareil pour tout le monde. Il faut aller voir Watto, son magasin est de l'autre côté de la ville. Ouais, Watto. Et je suis sûr d'ailleurs qu'ils ont pris leur inspiration du jeu PS1. Bah, c'est un toy d'Arien ça. Hop là, finito. Il respawn ou pas? Non, il est finito. Watto, j'arrive! N'empêche, quand tu compares le glow-up... Déjà que les anciens Lego Star Wars étaient incroyables, mais quand tu compares le glow-up avec le nombre de niveaux et d'endroits que tu peux, où tu peux aller... Genre, par exemple, sur Tatooine, dans l'épisode 1, t'avais que la course de module, rien d'autre. Hein. C'est chimie, ça. Désolé, je peux pas vous aider. Parlez à Watto si vous avez besoin de quelque chose. Dak. Non, attendez, il y a... Attendez, il y a Anakin, je vais le bully. Ouh. Pardon, je suis censé travailler. Ah. Watto est là-bas. Je sens un avenir sombre. Voilà. C'est ça, chiale. J'ai besoin de pièces pour un vaisseau Nubian 327 type J. J'ai environ 20 000 d'Atari républicaines. Des crédits républicains, ça vaut rien, je veux du palpable. Je suis meilleur, je fais la meilleure VF. Je construis un module de course. Non, les Atari ne vont pas l'affaire. Je te propose un Jedi ou quoi? Faire tes passes avec les mains, là. Alignez mon module. Voilà, c'est moi. Anakin, l'argent du prix paierait toutes les pièces dont ils ont besoin. Ça m'a donné soif. Cela ne fait aucun doute. Il mérite bien mieux qu'une vie d'esclave. Le garçon m'a dit que tu le sponsorises pour la course. J'ai gagné un module à un jeu de chance. Je parie mon nouveau module contre, disons, le garçon et sa mère. Hein? Aucun module ne vaut deux esclaves. Le garçon. Banco. Banco. Si c'est tout ce dont nous avons besoin, allons à l'arène et inscrivons Anakin à la course. Ah, dommage. Attendez. Voilà. Le combo Jar Jar Banta, là on est bien. C'est Bulba qui va gagner la course. Ensuite, là, je vais vendre la merde du petit Annie. C'est beau, Tatooine. J'aimerais y vivre.
En vrai, viens, Bobby. Prochain voyage, on part à Tataouine, la ville originale où ils ont tourné en Tunisie. Où ils ont fait les plans Tataouine. On fait ça en prochain voyage, mec. Oula, qu'est-ce que c'est que ça ? Là, je veux changer de perso. Mais ils sont que là ? Ils ont pas suivi, en fait. C'est génial. Attendez, mais il y avait pas un truc à... Ah non, d'accord. Oh, le petit Annie. Putain, ouais, ce serait trop bien qu'il y ait Watto sur place. C'est tout à fait exact. Un public très nombreux venu aux quatre coins de la bordure extérieure. Ah oui. So hot. Un indigène. Regardez-le, c'est un indigène. Concentre-toi sur l'instant. Ressens. Ne pense pas. Fie-toi à ton instinct. D'accord. Que la force soit avec toi. Gasp. Ok. C'est comme dans Mario Kart, je peux déjà démarrer. C'est comme Star Wars Racer, c'était trop bien sur les bornes d'arcade où t'étais dans le vrai pod là, puis c'est OMG. Quoi? Je regarde des champignons. Il y en a que qu'on peut manger. Quoi? Ça va mieux. Ouais. Je comprends que dalle là où il faut aller. Faire passer ces modules à travers l'encoche, c'est comme essayer de faire entrer Jabba dans un spinner. Ah putain. En vrai, je suis sûr que là, avec le gyroscope, ça doit être un truc. Ah mais j'ai déjà perdu une bonne partie du vaisseau là. Let's go. Je peux avoir des cœurs pour réparer. Ah. Putain merde, j'avais pas vu qu'il y avait tout un classement sur le côté et tout, mais c'est derrière ma cam du coup. Mini kit. Non. Je ne pourrais pas gagner un monde le réattacher. Oui, comment je fais? C'était comme dans le film, vous avez vu? Putain, mais je vois qu'il y a des mini-kits sur la map, mais j'ai pas le temps d'aller les chercher. Putain, ce serait une dinguerie si ça existait, les courses de pods comme ça. C'est vous le bas. Ah. Bah alors, c'est vous le bas. Bizarre, hein, le mec sur le côté. C'est à mon tour de pouvoir dire ça. Oula. Oh non, c'est Bulba. Je vais faire quoi là? Grec.
C'est bon? Ah mais il a pris de l'avance là du coup. Mais attendez, mais on a encore 3 dans la course. Il fout quoi lui? Il est pas censé être mort normalement? Attendez, mais on est presque à la fin là, il faut que ces boules bails ralentissent. Le jeu fait un truc là. Scénarium. Oui! J'aurais trop aimé qu'on le voit se casser la gueule, ces boules bas. Let's go! Je suis sûr que c'est pas légal non plus dans Star Wars. Let's go! Je ne sais pas comment, mais tu savais qu'il allait gagner! Apporte les pièces dans le hangar. Ah! Je passerai plus tard à la boutique. Tiens, tiens! Maintenant, tu peux réaliser tous tes rêves, Annie. Alors prépare-toi, le temps presse. Youpi! Il deviendra un Jedi? Oui. Et ma maman? Mon maman? Ma place est ici, mon fils. Tu dois voler de tes propres ailes. Je reviendrai te libérer, maman. Je te le promets. C'est beau d'y croire. C'est très beau d'y croire. Juste préféré être un peu plus élaboré. Désolé de pas t'avoir fini ces 3 PO. Au revoir. Oh Seigneur. La Bunta Eve. Anakin, il est. Putain, il y a le skin de, du premier C3PO. Allons, quoi. Je vais partir avec vous dans votre vaisseau. Oui. Missa, dérange maître Obi-Wan. Lui, ça a laissé Missa ici. Lui, ça a pas aimé Jar Jar. Je ne crois pas à Jar Jar. Je pense qu'il te trouve charmant. Obi-Wan Jedi mucho, mucho grognon. Énorme. Énorme, c'est ce genre de dialogue que j'aime. C'est un dialogue qui révèle qu'effectivement, Obi-Wan est raciste. Bizarre lui. Hein. Il est très très bizarre. Hein. Moi je. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais que normalement c'est pas dans l'histoire, mais là. Je peux pas laisser passer ça, c'est très très bizarre. Je ne suis pas en mesure de vous aider, mais une autre solution se révélera. J'en suis certain. Oh, c'est pour le jeu libre. Let's go. Quelle intrigue? Quelle intrigue secondaire? Oh, un beat. Comme ça qui s'appelle, je crois. Ceux avec la tête de couille. Je crois que c'est bit avec un Y. Genre B-Y-T-H, je crois. Besoin d'un taxi pour aller quelque part? Ne cherchez pas plus loin. Trop hâte de voyager de planète en planète. Oh oui, combat. Ah, je trouve ça horrible en vrai. Ah non, je voulais faire le combat, moi. Mais pas mal comment ils ont emmené ça.
sais ce que tu dois faire. Il a vraiment une tête de filou Dark Maul. D'autres inconnus à capuche, nous finirons peut-être par arriver à Coruscant. En effet. Toutefois, je crois que cet inconnu était peut-être un seigneur Sith. On retourne à Mos Espa. Let's go! Non, je déconne. Escorter Amidala jusqu'au quartier fédéral de Coruscant. Coruscant. Oh, let's go, j'avais trop hâte. Je n'attendais qu'une chose, c'était d'aller sur Coruscant. Ça a l'air d'être une dinguerie. Zion. Non. Coruscant, quartier fédéral. Tiens donc, le sénateur. Tiens donc. Laissez-nous vous expliquer rapidement la situation à Naboo, pour que mon peuple puisse enfin être sauvé. Salutations, Altesse, Maître Jedi. Je crois que c'est la vraie VF aussi. Ah ! Et fin de l'histoire ! Ah non, j'ai perdu beaucoup d'argent quand même là. Tiens, un brigand va. Vous revoir en vie est un don du ciel. Oui. Avec la rupture des communications, nous étions très inquiets. J'ai vraiment hâte d'entendre votre récit sur Naboo. Allez, let's go. Je suis un petit ami. Eh, le vieux. Le chancelier suprême Valorum a convoqué le Sénat pour une session spéciale. Pour discuter de la situation de Naboo. Mais très franchement, il y a peu de pouvoir. Et il y a tu peux marcher plus vite. Réagissent à l'invasion. Je pense que le mieux serait que votre Altesse appelle à l'élection d'un nouveau chancelier qui pourrait tenir tête aux bureaucrates et nous rendre justice. Allez, plus vite. Je suis un petit peu dark. Oups. Ah, nous y voilà. Oui. Ces navettes nous conduiront au Sénat. Quand vous serez prêt, venez me trouver dans mon bureau. Nous procéderons à la. Ouais. Besoin d'un taxi interplanétaire ? Montez donc. Où est-ce que vous voyagez aujourd'hui ? On peut aller au temple Jedi aussi. Oh là 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 là, oh là 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 là, tous les endroits. Vous y serez en arrière. Ah bye bye hein, les losers, au fait. Je suis vraiment allé tout seul là. Hein ? Waouh, merci, Philoski, appuie sur champignon taxi. Ouais, de ouf. Ouh, cargo AA9. Ah, vous voilà. Oh, ça faisait longtemps. Vous pouvez débuter la réunion ? Non. J'ai tellement envie de le tuer tout le temps, là, ce mec. Oh, il y a une belle araignée encore sur mon écran, là. Elle vit là depuis quelques semaines. Clameur. Oh, est-ce qu'ils ont fait IT ?
Nous devons agir vite pour arrêter la fédération. Oui. Silence. Franchement, ce serait masterclass s'ils mettaient E.T. Dans les grades. De la République. J'appelle à un vote de censure à l'encontre du chancelier Valerum. Silence. Silence. J'ai décidé de regagner Naboo. Majesté, je vous supplie de rester ici en sécurité. Même là, Padmé, mais c'est sans vergogne. C'est encore plus là même. Va avec la reine à Naboo pour élucider le mystère des sites. Chargé de nuages, son avenir est. Pensez-vous que nous puissions convaincre Bosnas de nous aider, Altesse? Quelle autre option y a-t-il? J'ai espoir que nous y parviendrons. Vous ça connaissez pas le boss comme Missa? Lui ça têtu comme un fanfare. Toujours aussi optimiste, hein? Georgia. On peut prendre la route? Oui. Bonne route. Ciao. Nyon. Ouais, il a un petit souci, Windu, je crois. Ah oui. Va tabasser une minorité au passage. Tiens, voilà, c'est toi qui prends. Voilà. Ouais, c'est ça, redoutez-moi. Zion. De mauvaises informations ont été chargées dans ma base. Putain, il y a trop d'endroits, on peut aller, c'est trop bien. Oula. C'est le vaisseau. Naboo, Lac, Paonga. Oh mais lui j'ai envie de le tabasser à chaque fois. Tout est relatif. C'est relatif, Philoski. Hein. Je t'envoie une photo après le stream. C'est difficile à juger là, je t'avoue. Les deux bouteilles combinées, ça peut en faire une entière. Mais voilà. C'est pas vraiment non plus moite-moite, tu vois. Enfin, c'est. Je t'envoie une photo après. Gungan City. Yacht Nugan de type H. Yacht. Yacht. Mais bon, ça a tellement pas l'air d'un yacht que. Hein, quoique. Alors peut-être. C'est le vaisseau dans le 2, ça. Vous avez le temps, profitez bien, regardez bien ce vaisseau, voilà. Ah, de retour à Otungunga. C'est désert, il n'y a plus personne. Je prie pour que Bosna soit encore là. Allons voir la salle du trône. Ils suivent derrière là, ça suit derrière ou pas? Ça suit moyen derrière. Il n'y a personne ici non plus. Ont-ils été capturés? J'ai juste un suppositoire, c'est vrai qu'il y a un air. Hein. Ou alors ils ont fui. Bien sûr. Gungan caché. Qu'en danger, allez au sanctuaire. Les mécaniques ne trouveront pas. Suivez Missa. Trouver le lieu sacré des Gungan.
Allez, on va jouer Jar Jar un peu. Je peux pas. Jouer Jar Jar, d'accord. Est-ce que je peux faire des prédictions sur mes streams? Normalement, oui. Je l'ai jamais utilisé, le truc, mais ouais, normalement, je peux en faire, ouais. Je crois que tout le monde s'était enfui. Bizarre. A-Wing RZ1 fabricant QAD System Engineering. Ici, Missa trouve entrée secrète. Ah. Nous a besoin de clés secrètes pour entrer dans le sanctuaire. Missa, savoir que la clé est par ici. Ah. Voilà. Mais elle a l'air cachée. Moussa réparé pour entrer dans le sanctuaire. J'ai un pote hier, il a chopé plus de 500 abos par des bots. Il faut qu'il les supprime parce que sinon, si Twitch le crame, il se fait ban. C'est une façon d'utiliser sa tête. Mais s'assure que Bosnas est par là. Il y a des sites spéciaux pour justement détecter les... Quand il y a eu plein d'abonnés par des bots à un X moment. Pour tous ces effacés. Ça maintenant Twitch pardonne plus. Hein. Je suis la reine Amidala. Non. Non, c'est pas de sa faute, mais Twitch ils en ont rien à foutre. Genre ils ont... Excellent. Switch, ils en ont rien à foutre. Ils savent pas si c'est toi ou pas. C'est ban. Mais c'est, ça, en plus, c'est très rare que ça passe. Hein. Au bout de quelques jours, les gens, en général, s'ils suppriment pas, ça passe souvent à la casserole, quoi. Je vous supplie de nous aider. Peut-être nous sommes amis. Parce que même dans le cas où c'est pas de sa faute, ils se disent bah il faut les supprimer quoi. Si tu les gardes, c'est que. T'es un petit viceur quoi. Les Gungan joueront leur rôle. Cassé. Il reviendra avec une autre armée de droïdes. Ouais. C'est pourquoi nous devons aller à Kit immédiatement pour reprendre. Quel est mon rôle? Je veux aider. Tu nous aides en te cachant en lieu sûr et en restant en. Ça n'aide pas beaucoup. Ça n'aide pas beaucoup. Je suis un petit con. Eh, nique ta race aussi, non? Ouh, une étrange créature. Oh, les vaisseaux. La Fédération du Commerce. Non, j'ai pas des jumelles ou un truc comme ça, là. Putain, hey, c'est l'enfer de viser là comme ça. Bye bye. Vous vous ennuyez, venez apprendre de nouvelles choses. Better Call Saul, mais ça c'est incroyable, ça c'est de la ref comme on veut ça. Better Call Saul. D'ailleurs, incroyable les deux premiers épisodes de Better Call Saul. Je crois qu'il y a le troisième aujourd'hui. C'est quoi le site? Alors, je sais plus du tout, mec. Là, comme ça, je sais plus. Je peux l'envoyer après. Je peux peut-être le retrouver, mais... En vrai, tu tapes supprimer Holobot. Tu trouves quoi sur Google? Où il y a des tutos YouTube aussi. Il y sera en sécurité. Je suppose que le vice-roi est dans la salle du trône. Mais c'est vous, vaisseau !
C'est Mole Goodman du coup. Nous prendrons le long chemin. Oh, let's go pour un des meilleurs fights. Oh, c'est parti, on va se régaler. Reste sur tes gardes et souviens-toi de ta pratique, Obi-Wan. Oui. Oui. Oui, 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 oui. Allez. Rip Qui-Gon. Putain, ils sont trop bien les combats au sable sur ce jeu. Oh, viens là, viens là. Eh oh, commence pas. Nous avons de la compagnie. Oui. Poursuivez Dark Maul à travers la raffinerie à plasma. Pardon, Obi-Wan. De cible. Putain, je vais encore y passer, hein. Ah, bonjour. Vous voyez comment va ? Je suis permis, hein, mais du coup, voilà, quoi. On sait jamais, hein. Même s'il était sympa... Oh non! Ah d'accord, ok, j'avais pas capté. J'ai encore du mal là avec L et LR. Allez, démonte-le! Se joue de nous. Allez, nous ne devons pas le laisser s'enfuir. Donc je saute là-dessus, c'est ça ? Ah oui, ça, c'est des sauts automatiques. Y a pas de sauts. Pas des sauts automatiques, ça. Si, c'est des sauts automatiques. Bah alors, il était où le problème ? Ça va, Obi-Wan ? Mais non ! Alors après, on est des Jedi. Normalement, on peut sauter comme ça sans problème, mais bon. Quel saut ? Mes cuisses ne réussiraient pas.
Trouvons un autre moyen de l'atteindre. Ok, c'est justifié comme ça, y'a pas de soucis. Toi peut-être, non? Attendez, j'ai... Attendez, cassez-vous. Mais y'a des snipers en plus! Ça, ça va où ça? Là. Là, tu peux. S'il te plaît, merci. On voit sur Dark Maul ça. Ça ne lui fait rien du tout. Il est où? Il a sauté? Oui. Là tes cuisses elles encaissent quoi. Hein. Ah ya. Ah. On y arrive, mesdames et messieurs, on y arrive! Ces barrières sont très dangereuses. Faites très attention. Non, ah, merde. Je voulais être sûr que c'était bien très dangereux. Non! Non! Ah putain, on peut pas courir, fais chier. Ah, enculé. Patience, madame. Nous surmonterons cet obstacle. Non. Non, bah attendez. Le bleu, il va au bleu. Le rouge. Il va au rouge. Mais ils étaient pas déjà à leur place? Bizarre. Non. Non. Oui. Et là, je sais pas, faut casser? Non? Ah, attendez. C'est ça qu'il fallait faire. Ouais? Oui. Ton sabre laser, Obi-Wan. Notre combat reprend. Ah oui, pardon, c'était X. Je crois que c'était Y. Nous le fatiguons, mais... C'est comme dans le film, hein. C'est-à-dire que là, Obi-Wan, t'es physique. Pardon, Obi-Wan, je suis désolé. Physiquement présent, mais il se bat pas, quoi. La force est avec nous. Nous l'emporterons. Oui. Ça marche pas, je vous jure que ça marchait pas. Je vous jure que ça ne marchait pas. Je vous jure que c'est... Là, je vous avoue que c'était surprenant. Je vous avoue que c'était très surprenant là comme fin de combat. Let's go! Lego, même je dirais. Putain. Votre petite insurrection a avorté, Altesse. Laisse-moi! Votre occupation a pris. Arrêtez-la! Maintenant, vice-roi,
négocions un nouveau traité. Nous devons faire quelque chose, R2. Oups. Hein ? Il est sur pilote automatique. Pourquoi ne pouvait-il pas avoir son propre vaisseau ? Putain, ouais, c'est vrai qu'il y a le combat, il y a la bataille aussi. Nous sommes prêts à faire notre part. Nous sommes guerriers, nous sommes grande armée. Général Jar Jar, nous sommes prendre route pour champ de bataille. Better Call Saul. Maintenant, Jar Jar, nous ça joindre les autres. Où est ça ? Missa savoir où ça parti. Suivez Missa. Ma programmation me fait dire que je détiens de nouvelles informations. Ta gueule. Let's go. On joue Jar Jar. Tu peux rêver mieux. Pour tout ça, nous ça fit ça, capitaine. Nous ça allons. Les Boumas. Mais des Boumas moques sont peut-être tombés du wagon. Vous ça nous aider à les trouver. Jar Jar. Oui. Nous ça devons aider charger les wagons. Voilà. Chez les Boumas. D'accord. Vous ça comptez sur Misa. J'en oublie une là. Actionner. Il y a des Boumas ? Je pensais que ce gros truc bougerait jamais. Oh. Ah d'accord, ok. Ok, et donc du coup on a l'extérieur aussi. Oui, en fait, ça vit juste de se casser la gueule que de faire le QTE correctement, quoi. Encore ? Ah bah oui, il était là. Oh oh ! Oh oh ! Maintenant, nous sommes prêts pour bataille. Finito. Enfin. Du finito, putain de merde. Nous sommes partir. Combat attendre nous ça. Chasseur arc 170. Système de visée NQ. Type de moteur. Deux moteurs de poussée. Nique ta mère. Déployez le bouclier. Une des meilleures musiques hein, de Star Wars d'ailleurs. Où ça, Caïd ? Oh. Ok. Nous ça chargeons les dernières catapultes. Mais ça aurait dû rester à Otokunga. Va pas grenouille mouillée, Jar Jar. Va les chercher. Monter ? Ah oui, d'accord. Pas vrai ? Va en catapulte, Jar Jar. Prépare-les pour la Puma. Let's
Phoenix dans le bouclier. On des boucliers Famba des droïdes de combat. Donc là on se castagne, ouais, d'accord. Et du coup ça je peux vraiment castagner avec si. Voilà, ok. Mais où ça y a des mecs? Mais à quoi ça sert ça? Moi ouais, je sais pas. Ok. Ça du coup ça se casse j'imagine. Ça se casse à mon avis avec des armes à feu. Oh une pub. Allez là. Qu'est-ce que je dois faire? Oh. Les catapultes ne marchent pas. On pourrait les écrabouiller ensemble pour faire méga catapultes. Quel génie ce Jar Jar. Alors. C'est la même qu'avant. C'est la même qu'avant, non? Putain, mais Kyle va bosser tes maps un peu. Non, pas bon pour la santé de faire ça. J'ai un let's play à continuer. Zoom. Je compte sur vous, tout repose sur vous les mecs. Lancez Booma. Allez, genre ça l'a pas touché là. Allez, mais explose non ? Voilà. Ah, il y en a 60 quand même à détruire. Merci Wok, merci Bébou. Je te fais plein de bisous Bébou. Oh. Ok, 10 sur 10, ça c'est on. Un seul. Pardon. Deux. Quoi? Bizarre comment ça compte les kills quand même. Hein. Bouclier percé, Kungan dans Bukaka. Nos stades devant nous battre, jamais capituler. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. À tout moment, j'imagine qu'il y aura la mission avec Anakin parce que ça se termine comme ça donc. Oui, voilà. R2, débranche le pilote automatique. Tu as réussi, R2. Regarde, ils sont là. Pigeon.
Rick Ollier, héros. Ça, c'est de la course. Ah oui. Ah oui, non, pas. Je croyais qu'il fallait que je maintienne le truc dessus. Ah merde, j'ai dit non. J'ai refusé la mission là, on est d'accord ? Oui. Voilà. C'est chaud ! Bipi siffle. Pour que les Kungans puissent gagner l'assaut terrestre, nous devons détruire ces tours de signalisation. Allez R2, tirons sur ces tours de signalisation. Qui sont ? Qui sont où ? Ça, c'est les tours de signalisation, ça ? Oui. Les chasseurs sont abattus par ces droïdes vautours. Bah, soyez meilleurs, hein. Mais oui, mais vous êtes pas bons là, les mecs. Prends ça et ça. Vous avez pas la visée auto, les gars ? Oula, il part en vrille. Attention, Anakin, ça va dans ta tête ? T'as l'air de partir en vrille. Tu vrilles un peu, non ? Ça, c'est marrant, merci. Oui. Oh, tes commentaires là! Voilà, bipessif, je préfère. Bipessif qui se traduit par ta gueule. On dirait le titre d'un film Echo plus Monde Univers, les aventures de bipessif. C'est vrai. Ah! Ah, mais putain, ils sont pas cassés encore. Ok, d'accord. Désactiver la communication entre la Fédération du Commerce et leurs forces terrestres. Détruisez l'antenne de signal. Ça va faire de gros dégâts. Oh, tes commentaires, j'en peux plus, Annie. Le petit Annie. Voilà, s'en esquive. J'espère que je le fais bien. Oui. Tu fais très bien. Ça marche, R2. Ça marche. Oui. J'aimerais bien voir ces boulba faire ça. Merde, j'ai tiré une torpille dans le vide du coup. Oh putain, des mini-kits. Vas-y, verrouille-moi. Zion. Je suis PGM. Là, je casse vraiment pour casser parce que c'est même pas mon objectif. Oh mais non, mais ça compte pas comme... Là, allez, un des deux là, je me le fais. On n'arrêtera pas ce truc en restant dehors. C'est vrai. Entrer pour causer de vrais dégâts. Ah ouais. C'est comme une course dans le canyon de l'Arche. J'essaie de m'arrêter. J'essaie. Aux chasseurs qui parviennent à l'intérieur de la station de combat, ciblez tous les réacteurs centraux. Je répète, ciblez tous les réacteurs centraux. Allez. Nous cherchons les réacteurs centraux. Oh. Non, là on cherche pas là. Pas bon. Zion. Wow, il y a tellement de droïdes. Ah ouais. Hey, t'as raison. On devrait tirer sur ces réacteurs centraux.
Oh, j'ai pas eu besoin que tu me le dises, hein. Putain, mais y'en a qui le trouvent insupportable dans le film, mais je vous assure que la version Lego elle est pire. Hein. Le vaisseau amiral a été détruit. Regarde. Let's go. Ça a tous cassé. Magnifique. Il joue mieux que Philoski au bowling. Félicitations pour votre élection, chancelier. Ensemble, nous apporterons paix et prospérité à la République. C'est du harcèlement. Qu'est-ce que je vais devenir ? Le conseil me donne l'autorisation de te former. Oh non, on voit pas l'enterrement du coup. Le mystérieux guerrier était un Sith. Toujours deux, ils sont. Un maître. Un apprenti. La menace fantôme, épisode terminé. Bah, c'est encore incroyable. Masterclass, ce jeu. Je libre déverrouillé. Véritable Jedi. Ouais. Personnage et vaisseau. Yacht Nubian de type H. Moi, j'ai vu tout à l'heure celui-là. On a même dit qu'il ressemblait à un suppositoire. Bon, mesdames et messieurs. C'était la menace fantôme hein, sur Lego Star Wars. C'est encore une masterclass ce jeu. Il est toujours incroyable. 52% seulement. Hein. Donc, vous imaginez ? En ayant juste fini l'épisode, on n'a même pas fait la moitié à chaque fois. Enfin, là oui, mais... Masterclass. Bref, bon bah du coup, on se retrouvera pour le prochain épisode hein, sur l'attaque des clones, du coup. Et puis voilà, hein, j'espère que YouTube ça vous aura plu. Et puis bah si vous voulez voir la suite en live, faut follow LittleDBZ99 sur Twitch. Sinon abonnez-vous à la chaîne YouTube et tout le tralala, like, commentaire et tutti quanti hein, comme on dit. Et puis bah on va se laisser là hein, du coup salut, au revoir tout le monde. Attention, je vais mettre l'écran de fin, vous êtes prêts? Attends, je coupe le son. Là, attention, écran de fin. Au revoir. Salut. À la prochaine. Merci à tous. Bye bye. Que la force soit avec vous. Ouh.